Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3 sur votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino jusque 22h. Donc 2 heures de direct, c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être avec vous, de répondre à vos questions. Alors vous me connaissez, vous savez un peu après hein, comment je travaille. Donc j'ai des cartes, mais j'ai des flashs directs. On peut aussi avoir une communication avec un défunt, proche, pas proche. Voilà, vous pouvez avoir un message d'un défunt bien précis ou un message voilà d'un défunt qui passe près de vous. Et également l'interprétation des rêves, si vous le souhaitez. Donc voilà, vous rêvez souvent de quelque chose et ça vous tracasse ou vous voulez avoir plus, peut-être plus d'explications. Eh bien, c'est dans mes cordes, donc vous pouvez demander, voilà, de que je vous explique en 2 mots ce que moi je ressens par rapport donc à votre rêve. Alors, ce soir, on va parler de Saint-Georges et on va également parler donc d'un petit rituel très simple pour toujours avoir de l'argent. Donc, un petit rituel de monnaie qu'il faut faire à la pleine lune. On en parlera. Vous le savez que sur le www.parlezmoidavenir.shop, nous avons une boutique ésotérique en ligne. Il y aura également, on en parlera également de quelques articles. Mais je vais vous dire comment arriver à l'antenne. Bien sûr, 0901 901 993, touche numéro 1, pour arriver avec moi ici directement. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez tous les amis qui sont en bas de votre écran et qui sont en vert. Et vous, donc vous appuyez sur le 2 et vous faites leur code PIN, donc à 3 chiffres, et vous êtes directement avec eux. Et ça ne passe pas par la télévision. Donc voilà, vous êtes en privé avec eux. Et si vous ne savez pas qui choisir, donc vous appuyez sur la touche 3 et le petit ange gardien, hein, voilà, quelqu'un qui vous protège, on va dire, eh bien, ce sera une personne que vous n'avez jamais eue, sûrement, et elle pourra vous guider donc sur votre chemin de vie. Donc voilà. N'hésitez pas à faire le 3 hein, si vous le souhaitez. Et alors, bien sûr, le concours SMS, on ne peut pas passer à côté, hein, parce que pour 1 franc symbolique, hein, eh bien, voilà, vous arrivez à mes côtés et on peut poser 4 voire 5 questions si elles ne sont pas trop longues. Alors donc, vous allez dans la rubrique des messages, hein, comme indiqué sur votre écran, TVM3. Que vous envoyez au 700. Voilà. La petite flèche, hein. Faut pas que le message reste dans votre téléphone, ce serait dommage. Voilà. Et donc, ça arrive, votre SMS arrive dans un ordinateur chez nous en régie. Et donc, cet ordinateur a un programme bien spécifique et il va tirer au sort de façon aléatoire les numéros de téléphone. Donc, les SMS que vous envoyez et vous pouvez tirer au sort comme c'est le début de l'émission d'ici un quart d'heure, d'ici 3 quarts d'heure, peut-être même d'ici 1 heure. On ne peut pas le savoir à l'avance puisque c'est l'ordinateur et je vous dis c'est de façon aléatoire. Donc c'est pas parce que vous l'envoyez tout de suite que vous passez tout de suite. Ou alors ça peut arriver, vous envoyez le SMS et directement après votre téléphone sonne. D'ailleurs, je rappelle, si c'est un numéro que vous ne connaissez pas mais que vous avez participé au concours SMS, eh bien c'est pas du démarchage, c'est sûrement nous, la régie en tous les cas, qui vous appelle pour vous mettre en communication avec moi et dire que vous avez gagné ce fameux concours SMS. Donc vous serez en direct avec moi et donc on répond à toutes les questions, mais la santé, le juridique, vous savez, on met un petit bémol, sinon tout est voilà, tout est dit. Alors nous allons accueillir une personne que vous connaissez bien parce qu'elle ne passe pas à l'écran, mais elle est souvent connectée
Parmi tous les amis en bas de votre écran, c'est notre amie Laurence. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, comme je suis Comment contente allez-vous? de vous entendre Nino. Mais moi aussi. Vraiment. Ça faisait un moment. Comment allez-vous? Oui, ça fait un petit Bah, moment. Comment allez-vous? ça va Nino. On essaye d'aller bien dans cette période un petit peu trouble, vous voyez. Ouais, c'est vrai. Je suis un Est-ce que peu aussi cette période n'est troublé, pas ouais. évidente? Moi, je pense que c'est le changement de temps, tout ça, ça joue sur le moral. Absolument, le changement de temps, le manque de luminosité, ça affecte effectivement donc le moral et le manque de vitamine D. Parce que nous sommes pratiquement tous carencés en vitamine D, Nino. Ouais, ça je sais. Il faut en prendre. En plus, il faut prendre la vitamine. Bah oui, il faut faire comme dans les pays nordiques, donc et puis essayer de se redynamiser. Donc, en se disant donc qu'on aura des jours meilleurs, mais comme vous dites très justement, Nino, le temps, donc la météo, a un impact direct sur notre mental et sur notre morale. Oui, c'est sûr. Mais avec toutes les mancies que vous avez à votre actif, il y a moyen de que vous avez moyen de soulager, on va dire, les personnes. Oui. Je remarque que nous avons de plus en plus de personnes qui sont en souffrance, donc qui sont en souffrance mentale, donc qui sont isolées, qui sont en proie donc à des conflits familiaux, donc à de la solitude. Tout à On a fait. des personnes aussi donc qui sont sans emploi, qui ont des problèmes de santé. Donc, on sent que c'est une période, je dirais, assez difficile où on a Je suis d'accord besoin, avec vous. et j'ai l'impression qu'on a besoin surtout de soutien, voyez. Et nous sommes là, Nino, nous, l'équipe, la fabuleuse équipe de TVM3, nous sommes là justement pour apporter ce soutien pour guider les consultants et les aider à traverser des moments, des périodes, je dirais donc difficiles. Elles existent, elles sont là, mais elles sont transitoires. Ça ne va pas durer. Le mauvais ne dure pas. Vous savez, moi je dis à mes consultants que la vie est un éternel recommencement. C'est sûr, c'est sûr. Et Vous alors, voulez que je peut-être, me représente, Nino? c'est ce que j'allais dire, oui, pour les. Parce que je pense que beaucoup vous connaissent, hein, mais on a tous les jours des nouveaux téléspectateurs, donc voilà. Vous êtes Laurence, et donc je vous laisse l'antenne pour vous présenter aux nouveaux téléspectateurs. Merci, Nino. Donc, je suis comme vous, donc moi je suis médium pur. Donc intuitive, auditive, positive. Donc je pratique le positivisme, c'est-à-dire que il faut toujours, toujours, toujours se projeter dans un avenir meilleur. Avec ces projections, donc on peut les réaliser. Vous voyez, Nino, ça c'est hyper important. Donc ne pas rester donc dans le négatif et éviter de ressasser. Ça c'est très important. Parce qu'à force de ressasser, donc on tombe dans des dépressions et on ne se rend même pas compte. C'est Et vrai, grâce à mes guides c'est vrai. spirituels, c'est vrai, hein, et grâce à mes Oui, non, je guides suis tout à fait d'accord. spirituels, je perçois des manifestations de l'au-delà ou bien des esprits. Moi, par exemple, Nino, quand je ne suis pas bien, bien, je pense très fort à ma maman et
Et le soir, dans mes... je rêve d'elle, voyez, Nino. Et ça m'apporte un réconfort absolu. Et puis, Bien il faut le sûr. savoir, effectivement, que les défunts, donc même s'ils ne sont pas présents physiquement, ils sont là, ils nous protègent, ils nous aident, et ils sont, je dirais, parmi nous. Ouais, je vois. Et il me faut juste... Je les Oui, ressens dis-moi, Nino. aussi. Il faut faire appel à eux, vous voyez, quand on a besoin d'aide. Oui, c'est pas toujours évident parce que voilà, les personnes disent oui, mais bon, je les vois pas, je les entends pas, mais ils sont là. Et c'est vrai que pour avoir des énergies positives et avoir une voilà une vie plus positive, c'est vrai que y a des bons esprits qui envoient des bonnes énergies. Ça, oui. Absolument, absolument. Ils sont là, les esprits, ils sont là, ils sont parmi nous, ils sont là pour nous guider. Et puis je voulais dire aussi qu'il me faut juste le son de la voix du consultant, le prénom, sa date de naissance, pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, administratif. Donc, et on sent, Nino, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'actuellement, c'est le professionnel qui domine. Oui, c'est vrai, l'argent et le professionnel. Bon, il y a parfois encore l'amour, mais c'est beaucoup moins. C'est beaucoup, comme vous dites, professionnel et alors le financier. Absolument. Et moi, je vois aussi bien le présent que le passé ou le futur, et mes prédictions se font sur du court et du moyen terme. Alors je fais aussi du magnétisme, donc autrement dit, je dispense des soins à distance pour tous les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, parce qu'on a tendance, nous, à négliger les problèmes mentaux. Et les problèmes mentaux, donc, ils sont de plus en plus présents. C'est vrai. Genre dépression, angoisse, phobie, anxiété, donc manque de sommeil, solitude. Et je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie. C'est ce qui manque, l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Et je dresse aussi. Dites-moi, Nino. Et je voulais dire aussi que... Vous voulez me dire quelque chose? J'ai pas compris. Vous m'avez posé une question? Oui, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que quand on arrive à cette harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, alors à ce moment-là, donc, on est bien. C'est sûr, oui, mais il faut arriver à faire ça. Parce que parfois, on se dit, voilà, je vais faire telle chose ou telle chose, mais rééquilibrer, je pense que c'est bien de vous appeler justement pour que vous puissiez aider à ce que on puisse faire se remettre en énergie positive quelque part. C'est ça, c'est rééquilibrer les énergies. C'est rééquilibrer les énergies et de façon effectivement donc à ce que ça redémarre. En fait, l'être humain, c'est un peu comme une machine, en fait. Il a besoin donc d'énergie. Donc pour redémarrer. Et puis donc il y a des personnes effectivement qui sont fragiles, qui sont un petit peu donc qui ont les batteries, je dirais donc à plat et qui ont besoin de se redynamiser. Et c'est pour ça que je suis là justement pour leur donner la force, cette force effectivement donc qui leur manque. Mais à partir du moment où les consultants nous appellent, c'est que il y a comme un instinct de survie qui est entre eux, qui est en eux, vous voyez, c'est qu'ils ne veulent pas se laisser Bien sûr. abattre au fond d'eux.
Oui. Et je voulais dire aussi que je dresse un parfait portrait psychologique des personnes qui nous entourent. Alors, j'ai seulement besoin du nom et de la date de naissance de ces personnes. Et je suis comme un relais, un intermédiaire par le son donc de la voix. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui me téléphonent et qui sont donc entourées de certaines personnes, par exemple des collègues, des amis, des membres de leur famille, et qui veulent savoir ce que ces personnes pensent d'elles, voyez? Oui. Très bien. Et donc, Et effectivement. oui, allez-y. Excusez-moi. Oui, Lino, allez-y. Je voudrais simplement dire, voilà, si vous avez récemment eu quelqu'un au téléphone avec une petite anecdote, voilà, pour expliquer. Beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur entourage, vous voyez. Donc, de savoir hein, si les personnes qui les entourent sont authentiques, sont honnêtes, sont sincères, ne sont pas plutôt, je dirais, donc manipulatrices, hypocrites, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir réellement donc à qui on a affaire. Et je fais des protections contre le mauvais œil et les entités négatives. Et Dieu seul sait s'il y a du mauvais œil, des entités négatives en ce moment, Lino. Et Il y je en mets a, les oui. personnes. Oui. Oui, non, Je c'est mets les personnes. le négatif, il y en a beaucoup, ça oui. Ben oui, il y a beaucoup d'énergie négative donc en ce moment, et il faut justement donc éloigner ces énergies négatives qui nous empêchent justement d'être heureux, d'être épanouis et d'avancer. Donc C'est je sûr. mets dans ma bulle de protection ces personnes et je leur dispense. Un bien-être. C'est vrai cette notion de bien-être, hein, Nino. Depuis combien de temps Je on n'a vous pas entendu appelle parler de alors ce parce terme? que il faut que vous me mettiez dans votre bulle de protection. Hein. Je vous mets dans ma bulle de protection, Nino, et je vous dispenserai donc un bien-être parce que vous le méritez, Nino. Merci beaucoup. C'est vrai que ces temps-ci, Et je. c'est la santé un peu compliquée, surtout la gorge et tout, mais comme j'ai 100% confiance en vous, je sais que si vous me mettez dans votre bulle de protection, que je me sentirai mieux, j'en suis sûr. Oui, ne vous inquiétez pas, vous vous sentirez mieux, ne vous inquiétez pas, donc Nino, vous serez bien, mais c'est vrai qu'il y a des moments donnés, il y a des moments donnés où on est plus fragile que dans d'autres moments. Et je voulais dire aussi que je suis un coach sentimental, que j'aide des consultants à savoir comment se comporter avec l'autre. Dialoguer, communiquer, comprendre et gérer des conflits. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple et ça ne va pas parce que donc il n'y a pas de dialogue. À fait. Je dirais, Nino, qu'il y a une explosion donc des moyens de communication et pourtant donc on n'a jamais été aussi seul et isolé. C'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le Covid, le confinement et tout ça, les gens ont changé un peu leur manière quand même de vivre. On ne sort plus aussi facilement, on ne va plus au cinéma comme avant. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Oui, vous remarquerez, Nino, que la période de l'insouciance, voyez, on a l'impression qu'elle est un petit peu donc révolue. Et c'est dommage. Oui, c'est sûr. C'est dommage. Tout était plus léger avant.
Oui, Et je maintenant, suis aussi donc, tout oui, explose. tout explose, exactement, Nino, tout explose. On a l'impression que les gens donc sont à bout. Il y a une agressivité donc qui règne. Je ne sais pas si vous la sentez, donc Nino, Bien sûr. mais y a un mal-être profond. Ouais. Et puis je suis un coach professionnel, donc j'apprendrai donc nos consultants comment se présenter, se comporter, se présenter à un entretien d'embauche, faire ressortir leurs talents, se démarquer des autres candidats, ça c'est important aussi. Mais on voit, Nino, que beaucoup de consultants souffrent professionnellement. Soit donc mauvaise relation, mauvais contact avec les collègues ou avec les supérieurs hiérarchiques. Voyez, C'est vrai. c'est dur. Oui, c'est pas évident et des personnes qui m'appellent vous appellent sûrement aussi et donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui voilà, même si elles ont déjà un travail, hein, il y en a beaucoup qui cherchent et qui ne trouvent pas, mais même celles et ceux qui ont un travail, tout allait bien, et puis depuis quelque temps, ça ne va plus, on n'a plus envie d'aller au travail. Je suppose que vous avez aussi des personnes qui vous disent cela. Oui, absolument, Nino. Des personnes qui n'ont plus envie, bon, non seulement n'ont plus envie de travailler, mais n'ont plus envie de rien. Mais oui, parce que je leur dis, mais voilà, ça fait 20 ans que vous travaillez là, vous pouvez chercher en même temps, et, mais voilà, quand la personne n'est pas n'a pas la motivation, c'est vrai que c'est compliqué. Et ouais, c'est le manque de motivation, donc c'est le blocage donc total. Et je dirais effectivement que c'est là justement, Nino, où la pensée positive peut débloquer pas mal de choses et accomplir bien des miracles. Oui. La pensée positive, hein, ça s'est développé dans les pays anglo-saxons. Vous verrez, Nino, que il y a des pays, notamment aux États-Unis, où les gens paraissent, donc ils travaillent plus dur que nous en Europe. Nous, on travaille 35, 40 heures, 45 heures par semaine. Ils travaillent beaucoup plus que nous. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont plus heureux, qu'ils sont plus épanouis. Vous voyez, il y a une question de mentalité C'est aussi, vrai. Nino. Oui, tout à fait. Et je terminerai, Nino, par une pensée particulière, justement, pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui sont de plus en plus nombreux, donc, à nous regarder, à nous écouter, Nino, qui sont seuls, malades, isolés, qui ont perdu leur emploi, qui sont frappés par une crise économique et financière sans précédent, à tous ceux qui luttent, désespère, ben sachez que vos souffrances donc auront une fin, mais je pense que c'est un peu le retour à peut-être à la spiritualité, à l'ésotérisme, à la foi, à la religion, à la croyance, et vous verrez effectivement que la lumière donc est au bout du tunnel. Commence à la voir, hein, mais elle est encore loin un petit peu. Hein. C'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais ce Et sont des non. cycles, hein. Oui, après, ce sera la roue tourne, comme on dit. Et donc, il y aura des belles choses pour tout le monde. Donc, encore un peu de patience. Oui, un peu de patience et puis effectivement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Nino, mais 2024 fut une année quand même difficile. Oui, c'est vrai. Donc, 2025 va être plus brillant, j'espère. oui, plus brillante.
et verra l'accomplissement donc de beaucoup de choses pour pas mal de personnes, effectivement. Et moi, je pense effectivement donc à cette notion de bien-être et de bonheur hein, qu'il faudra effectivement donc développer au cours des mois qui viennent. Oui, Alors. je pense que le message est passé, tout le monde voilà, se sent concerné, donc on a envie de changer certaines choses. C'est ça. Moi, j'ai toujours pensé que quand il y a une stratégie qui ne fonctionne plus, il faut en adopter une autre. Oui, Et il faut c'est bien savoir vrai. effectivement se remettre en question. Ça, c'est plus compliqué aussi, hein. Mais on est là aussi pour aider justement ceux qui nous consultent et qui ont envie de nous consulter. Voilà, on essaye de leur donner quand même des clés pour avancer. Absolument. Nous sommes là effectivement donc pour les aider et donc les écouter. C'est important, l'écoute, les conseiller, donc les soutenir hein, et de façon effectivement donc à ce qu'elles traversent ce désert hein, ou ces moments effectivement donc difficiles. Et effectivement, donc, les fêtes approchent et il y en a qui seront donc en famille. Et je pense effectivement donc à ceux qui craignent déjà cette période qui est difficile justement pour les personnes qui seront seules à cette époque, à cette période. En tout cas, j'ai toujours accompagné. Ah, j'ai toujours détesté les fêtes de fin d'année depuis petit, hein. Donc, j'ai jamais aimé ça. Mais Moi non plus. voilà. Ah ben voilà. Et quand voilà, on va passer au mois de janvier, après tout doucement, voilà, les choses pour moi se remettent. Effectivement, les choses vont se remettre un petit peu donc dans l'ordre. Les choses vont se remettre donc en place. Et puis, comme on dit, demain est un nouveau jour. C'est sûr. Et si, voilà, donc, on parle des téléspectateurs et surtout des nouveaux téléspectateurs qui auront envie de vous consulter, donc, les heures où vous êtes présente, peut-être, le dire, comme ça ils peuvent vous consulter. Oui, la matinée, l'après-midi, puis le soir, normalement jusqu'à 21h. Jusque 21h. Et donc, en matinée aussi, bon, en fait, on peut vous joindre un petit peu à tout moment de la journée. Il faut regarder si vous êtes connecté. Mais vous êtes là au matin, midi, dans l'après-midi et même, voilà, vous le dites jusque 21h. Peut-être ce soir, Oui, vous c'est resterez un peu plus. Ce soir, je resterai un peu plus. Je vous accompagnerai, je vous écouterai, Nino, jusqu'à 22h. Donc, au cas où, D'accord. il y a des personnes, effectivement, donc, qui veulent avoir des réponses à leurs questions. Et je voulais préciser aussi, donc, mon code PIN, Nino, qui est le 191. Et mes Oui. consultations se font en français et en anglais. Ah, c'est génial. Comme ça, c'est deux langues assez ouvertes, hein, donc. Mais ça ne doit pas être évident quand même de faire une consultation d'anglais. Mais vous avez ça à votre actif, et tant mieux. Mais vous les faites en italien Je aussi. pourrais, oui, c'est vrai. J'en ai déjà fait, oui. Mais c'est oui, évidemment, moi, l'italien, c'est ma langue maternelle quasiment. Donc, c'est pour ça que ça sort facilement, mais en anglais. Et c'est l'anglais, je l'ai appris à l'école, donc ça serait plus compliqué quand même que je fasse une consultation d'anglais. Ben, vous pouvez essayer. De toute façon, donc, l'anglais n'est pas une langue véritablement difficile.
il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, voyez. Et puis, il suffit d'avoir des amis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis donc anglo-saxons, voyez, et puis de communiquer avec eux en langue anglaise. Ouais, ça, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, hein. Effectivement, c'est comme ça qu'on apprend le mieux et puis le plus facilement aussi. Et puis on apprend sans s'apercevoir donc de la peut-être de la difficulté de la langue, vous voyez. C'est vrai. En tout cas, Nino, ce fut un plaisir donc d'avoir échangé avec vous ce soir. Mais c'était un plaisir partagé, comme à chaque fois. Et puis donc je fais un coucou donc aux téléspectateurs qui me connaissent et puis donc aux nouveaux téléspectateurs et puis j'espère vous avoir en ligne prochainement et Nino je vous souhaite donc aussi une très bonne soirée et sachez donc Nino que je vous ai mis dans ma bulle de protection. Ah bah écoutez, je vous crois et je sais que je vais me sentir mieux grâce à vous. Voilà. Oui, vous vous sentirez mieux et vous penserez à moi et que Dieu vous protège, Nino. Merci beaucoup. Merci vraiment. Voilà. Donc, j'espère que on s'entendra peut-être avant les fêtes encore et... Voilà, merci d'être intervenu. Je vais arriver dans l'émission. Et donc, voilà, vous avez dit vous restez jusque 22 heures et nos téléspectateurs peuvent vous joindre au 191. Voilà. Au 191, Nino. En tout cas, Nino, donc, merci de m'avoir reçu. Et moi, j'apprécie beaucoup donc votre sensibilité et votre chaleur humaine, Nino. Restez tel que vous êtes, ne changez pas. Merci beaucoup. Vous de même. Bonne soirée, Nino. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bon pour vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Nino. Au revoir. Voilà, les amis. Hein, donc, Laurence, bien sûr, vous la connaissez. Vous la voyez en bas de votre écran très souvent. Parce qu'elle est souvent connectée, donc vous pouvez la consulter de nombreuses mensies à son actif et aussi cette façon positive qu'elle a de parler des choses. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si vous voulez la joindre, code 191, regardez bien qu'elle soit en vert et pas en orange pour ne pas qu'elle soit occupée. Et vous pouvez la joindre donc jusqu'à 22 heures et demain à peu près toute la journée, comme elle l'a dit. Voilà. Nous, on va se quitter quelques instants pour la page de publicité. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993 touche numéro 1. Et d'ici quelques instants, peut-être, vous serez à mes côtés. À tout de suite. Retour, chers amis, sur le plateau de TVM3, sur votre émission « Parlez-moi d'avenir » avec votre ami Nino. Alors, voilà, depuis le début de l'émission, donc on a commencé à 20h, vous avez eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir donc notre voyante Laurence au code 191 et donc vous pouvez la voir en bas de votre écran. D'ailleurs, je vais rappeler comment on peut appeler à l'antenne et comment on peut appeler tous nos amis. Donc, 0901 901 993, touche numéro 1, c'est pour arriver à mes côtés. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, là, c'est l'occasion. Si Laurence, vous avez envie de la consulter au 191, si elle est en vert, ou tous les autres qui sont encadrés en vert,
Donc, vous pouvez les joindre en appuyant sur la touche 2 et ça ne passe pas par la télévision. Donc, vous êtes vraiment privé avec eux. Et le petit ange gardien, c'est le chiffre 3. Si vous ne savez pas qui choisir, donc faites donc le chiffre 3 et vous verrez, vous serez très content. Alors, on va parler ce soir de l'histoire de Saint-Georges, le soldat et le martyr. Il y a pas tellement de gens qui connaissent cette histoire et je la trouve assez intéressante, alors j'avais envie d'en parler. Alors, donc voilà, c'est une figure qu'on ne peut pas oublier, comme vous le voyez là sur votre écran. Alors, Saint-Georges, une figure centrale du christianisme, est connu pour sa bravoure légendaire et sa foi inébranlable. Né à la fin du IIIe siècle en Cappadoque, en région située dans l'actuelle Turquie, Georges grandit dans une famille chrétienne pieuse. Très jeune, il choisit de suivre une carrière militaire et intégra l'armée romaine, où il se distingua par son courage et sa discipline. Rapidement, il devint un officier respecté servant dans la garde impériale de l'empereur Dioclétien. Je vais y arriver. Cependant, à cette époque, les persécutions contre les chrétiens étaient intenses. L'empereur souhaitait renforcer l'unité de l'empire. Et il exigea que tous les soldats renoncent au christianisme et se soumettent au culte des divinités païennes. Georges refusa catégoriquement, proclama sa foi en Jésus-Christ, malgré les menaces, les tortures et les appels à se convertir. Il resta fidèle à ses croyances pour cet acte de foi. Il fut condamné à mort et martyrisé vers l'an 303. La bravoure et le martyre donc de Saint-Georges firent de lui un symbole puissant de résistance spirituelle. Rapidement, il fut vénéré comme un saint dans tout l'Empire romain. Son culte se répandit en Orient comme en Occident. Mais attendez, il y a aussi une légende médiévale, celle du dragon. Il a capté l'imaginaire collectif et qui a rendu Saint-Georges célèbre. L'histoire raconte qu'un dragon monstrueux terrorisait la ville. Pour apaiser la créature, les habitants lui offraient des sacrifices humains, choisirent par tirage au sort. Un jour, le sort tomba sur la princesse du royaume. Alors qu'elle était sur le point d'être livrée au dragon, Saint-Georges apparut, armé de sa lance et de sa foi, hein, comme on voit sur l'image. Il affronta la bête, la terrassa et sauva la princesse. Impressionnés par son courage, les habitants de la ville le convertirent donc au christianisme. Cette légende, bien que symbolique, illustre la victoire du bien sur le mal, de la foi sur la peur. Cette légende, je m'embrouille, est de l'espoir sur le désespoir. Saint-Georges devint ainsi le modèle du chevalier chrétien par excellence, prêt à se battre pour protéger les faibles et défendre la justice. Alors, nous avons un kit, Saint-Georges, le kit porte-clés et cartes avec prière et médaille donc de Saint-Georges. Et vous le voyez aussi, hein, ça apparaît sur votre écran, sur la carte. Donc c'est la même image à peu près, hein, que celle qu'on a montrée juste avant. Alors, il y a différentes manières de prier Saint-Georges, pour ceux qui le prient, et je vais expliquer. Donc, pourquoi prier Saint-Georges? Saint-Georges n'est pas seulement une figure symbolique et historique. Il est aussi un intercesseur spirituel pour des millions de croyants. Voici pourquoi on peut prier ce saint et ce que l'on peut lui demander. Alors, pour le courage face aux épreuves, Saint-Georges, par son martyre, incarne la bravoure ultime.
On peut le prier pour trouver la force d'affronter les défis de la vie, un combat intérieur, une situation difficile ou encore une injustice. Pour vaincre ces dragons personnels, les dragons que nous rencontrons dans nos vies, des dragons bien sûr entre guillemets, de nos vies prennent souvent la forme de peur, d'angoisse, de dépendance ou de conflit. En invoquant Saint-Georges, on lui demande son aide pour triompher de ces obstacles symboliques. Alors, pour la protection contre le mal, Saint-Georges est vu comme un protecteur puissant contre les forces du mal, qu'elles soient spirituelles ou physiques. On peut le prier pour la sécurité de sa maison, de ses proches ou de soi-même face aux dangers visibles et invisibles. Alors, pour rester fidèle dans la foi, face aux doutes ou aux persécutions, Saint-Georges est un modèle de fidélité à Dieu. Ceux qui traversent des crises spirituelles ou qui cherchent une foi plus profonde peuvent demander son intercession. Pour les soldats et les professions à risque, étant lui-même un soldat, Saint-Georges est souvent prié par les militaires, les pompiers et ceux qui exercent des métiers exposés au danger pour leur courage et leur sécurité. Et enfin, pour la paix et la guérison intérieure, donc Saint-Georges est aussi invoqué pour retrouver la sérénité face aux épreuves de la vie et guérir des blessures émotionnelles ou spirituelles. En conclusion, Saint-Georges, par sa vie, son martyre et sa légende, est bien plus qu'un personnage du passé, il est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à affronter leurs défis avec courage et foi. Voilà, on viendra sur le kit porte-clés puisque nous avons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Et ça va, ça va. C'est pas terrible, mais ça va. Dites-moi, que Dites-moi, désirez-vous alors je vous. savoir? Alors, c'est toujours la même chose. Depuis une année que vous me dites que vous me donnez des promesses, que mon ami va me téléphoner, va me donner des nouvelles, et j'ai toujours rien du tout. Quel temps en voyance qui est difficile à dire. Vous Oui, avez mais vous consulté savez, ça. d'autres voyants? Oui, mais ça veut faire une année. On va On regarder. se parle. Donc, vous voulez savoir si donc la personne de 88 va rentrer en contact avec vous. C'est ça? Oui, mais c'est ça. Je vais regarder. Ouais. C'est toujours difficile de donner, même sur une année, hein, c'est difficile de donner vraiment le jour exact, c'est impossible, mais plus ou moins la période. On va regarder si il va vous appeler, mais moi je ressens que oui. En tout cas, dans les cartes, il y a un retour, hein, je le montre à l'écran parce que voilà, nous Oui, n'avons pas les cartes, donc on a un retour. Donc, quelque part, c'est un retour qui fait vers vous. mais parce qu'il a toujours de l'affection pour moi. Bien sûr. Et il a traversé des moments difficiles. Je le vois aussi dans les cartes. On voit la carte de l'homme et on voit la carte de l'équité, donc de l'équilibre. Donc, dans sa vie d'homme, il a dû se remettre en équilibre parce qu'il y avait pas mal de soucis. Oui. Alors, mais je vois des bénédictions et une réussite pour lui. Donc, il est arrivé, on va dire, à la fin des problèmes qu'il a pu avoir. Donc, on voit bien la réussite et bien les bénédictions. Donc,
Pour moi, voilà, ça ne saurait tarder. Ce sera peut-être pour dire les bons vœux en fin d'année, mais pour moi, voilà, c'est encore sur cette année. D'un moment à l'autre, vous devriez avoir un coup de téléphone de sa part. Je vois que des bonnes cartes. Il y avait un peu de négatif parce que voilà, il se remettait en équilibre, mais pour le reste, pour moi, tout est assez positif. Donc, pour moi, il faut que vous restiez positive et vous allez voir que il va y avoir donc des contacts et peut-être même se revoir. Ben ouais, justement. Non, ça serait bien. Pour ça, alors, je Ouais. suis positive quand même. Je suis quand même Oui, pour positive. rester positive. Et ce que je voulais vous demander, donc, cet homme, comme ça, du jour au lendemain, il ne vous a plus donné de nouvelles? Oui, justement. Sans savoir pour quel motif, sans savoir pourquoi, parce qu'il n'était pas comme ça avant. Mais moi, dans ce que je ressens, hein, dans ce que j'ai vu dans les cartes, c'est parce qu'il a eu des problèmes personnels, hein, je pense, hein, dans sa vie, soit le travail, que ce soit peut-être avec des amis, de la famille, mais il a eu des problèmes. Donc, on va dire il s'est un peu isolé. Mais je vois que, même dans les cartes, hein, on voit bien que il revient vers vous et que voilà, la communication reprend et pour moi, je ne serais pas étonné que, à force de quelques coups de fil, vous engagez à vous voir et il pourra venir vous voir. Ça, je suis sûr, parce que vous oubliez, il ne vous a pas oublié. Et donc, il y a une relation particulière entre lui et vous. Et donc, pour moi, ça va bien se passer. Ça, Oh ben, je le ressens. oh ben Donc, pour j'espère. moi, il faut rester positive. Oui, mais oui. Enfin, je suis positive maintenant. Oui. Mais voilà, restez-le parce que ça va être d'un moment à l'autre. Hein. Comme je vous ai dit, on ne sait jamais dire vraiment la période exacte. Mais plus ou moins, et ici, j'ai vu aussi dans les cartes que il était remis en train, de toute façon, de se remettre en équilibre, donc quasiment remis en équilibre. Et quand il est bien avec lui-même, voilà, il reprend des contacts. Et donc vous ferez partie des personnes qui va recontacter. Pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah ben j'espère. J'espère pour vous aussi, mais j'ai bon espoir parce que j'ai de bons ressentis. Ah ben. Alors, je ne sais pas si vous avez une autre question. Oui, est-ce que vous faites aussi pour les énergies, Nino? Remontez vos énergies? Oui. Oui, mais ça se passe à l'arrière. Alors, il faut une bougie de Ah. neuvaine. Vous pouvez m'appeler sur le code 103 et parce que j'ai besoin de quelques informations que je peux pas demander Ouais. à l'antenne. Et donc là, je vous allume une bougie de neuvaine pendant 9 jours, hein, donc neuvaine 9 jours. Et Ouais. donc pendant ces 9 jours, ça remonte vos énergies, ça éloigne le négatif. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent à l'antenne de ces bougies de neuvaine. Et ça me fait très plaisir de pouvoir aider les personnes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter demain sur le code 103 pour avoir justement que j'allume une bougie pour vous, eh bien, aux environs de 11 heures, je serai connecté. Donc voilà. D'accord, parce que j'ai eu un problème de santé. Vous avez vu le docteur quand même. Ah oui, parce que j'ai fait 5 semaines d'hôpital, plus 3 mois, non, 3 semaines en clinique à Montana,
Je suis tombée et je me suis fissuré ma prothèse qu'on a dû me changer. Je comprends. Ça n'a pas été évident. Ah non, puis maintenant je secoue toujours. J'ai des infirmières qui viennent une fois par semaine. J'ai aussi les aides qui viennent le matin, donc me faire la toilette, tout ça. Et puis j'ai la physio qui vient deux fois par semaine. Mais pour moi, vous êtes bien entouré, hein, donc vous allez, Oui. je veux dire, les choses vont aller de mieux en mieux. Ça, je le ressens fort. Ça va aller de mieux en mieux, donc pour ça, vous n'avez pas à vous tracasser. Oui. Bah justement, la physio ne veut encore. Moi, j'ai deux, trois marches d'escalier. Alors, elle veut encore pas que je descende l'escalier pour pas tomber. Voilà, c'est bien d'écouter, de respecter les consignes qu'on peut vous donner. Et Oui. pour moi, vous allez revenir entre guillemets à la normale, quoi. Et vous pourrez faire encore des choses que vous avez toujours faites. Donc, faudra être un peu Ben plus oui. prudente, mais pour moi, je vois que les choses se remettent. Ben oui, ça remet gentiment. Ben Gentiment, oui. sûrement, ça c'est sûr. Ouais, et puis il faut avoir confiance. Et puis, vous avez encore autre chose à me donner? Dû mettre des oreillettes d'urgence parce que mes oreillettes ne fonctionnaient plus. Donc j'espère qu'on m'entend bien. Oui, on me dit, voilà, on me dit qu'on m'entend bien, donc c'est parfait. Voilà. Alors, on était avec une dame qui demandait ses énergies. On va voir si la régie peut me repasser cette dame. Oui, je suis là. On a été coupé parce que j'ai eu un problème avec mes oreillettes. Je n'entendais plus, Oui, Anton a j'entendais plus été parler. coupé. Oui, donc voilà. Maintenant, je vous entends et je vous redis, donc pour moi, les énergies vont remonter parce que voilà, vous allez pouvoir tout doucement vous vous rétablissez et ça va aller de mieux en mieux pour vous. Et ce garçon vous donnera des nouvelles, ça je suis absolument certain. Oui. Oui, je pense que ça ira plus très longtemps. Non, moi je dirais même, si j'ose, qu'il pourrait vous dire les bons vœux de fin d'année, de Noël et de tout ça. Donc, on n'en est pas très très loin. Donc, moi, je pense que ce sera vers ce moment-là. Voilà, d'accord. Mais oui. Donc, vous pouvez. J'étais contente d'être avec vous parce que je sais que je vous fais confiance. Mais c'est très gentil. Oui, Merci. ah oui, alors je vous fais confiance. C'est pour ça que je suis contente Écoutez, d'être avec vous. mais ça me fait plaisir aussi et j'essaye toujours de répondre et de montrer les cartes
comme ça, vous comprenez mieux les situations. Oui. Et voilà, on est vraiment en train d'arriver dans quelque chose de positif. Mais oui, j'espère. Et puis, vous avez quelque chose d'autre, un oracle, quelque chose? Vous voulez j'ai un message des défunts, j'ai un message de ton âme, si vous voulez. Ben oui. Ben vous pouvez me donner ça, Nino. Oui, je vais vous donner un message de votre âme. Alors, je tire la carte, le lâcher prise. Hop, je sais pas si on le voit à la caméra. Je vais vous la lire. Donc, cette chose à laquelle tu t'accroches, ou celle-là même qui vient te traverser ton esprit, il est temps de cela, il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche-toi. Donc, parfois, vous êtes inquiète pour certaines choses et ces cartes ici, hein, message de ton âme, donc votre âme vous dit de faire un lâcher-prise, prendre du recul par rapport à certaines situations et vous allez voir que vous allez vous rétablir quand même gentiment, mais pas trop longtemps non plus. Donc, pour moi, c'est une bonne carte, il y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, parce que je suis toujours un peu inquiète. Oui, c'est pour ça que on vous dit de faire le lâcher prise. Et puis comme c'est une personne sensible. Oui. Dites-moi. Je suis une personne assez sensible. Mais ça se ressent. Mais vous êtes quelqu'un qui priait, vous êtes quelqu'un qui croyait à beaucoup de choses aussi. Donc, tout ça vous envoie des énergies positives. Oui, oui. Non, non, je prie beaucoup. Depuis que j'ai perdu mon mari, je prie beaucoup. Mais vous avez raison. Parce que là-haut... ils vous le rendent bien, parce que les anges et tous les archanges, enfin ceux qu'on peut prier, sont près de vous. Donc voilà, vous avez des protections et ça, c'est très bien. Ah ben voilà. Oui, et c'est à vous que j'avais dit que vous avez le même prénom qu'une... cousine, oui, à moi. Que votre cousine. Oui. Elle vit en Italie, oui. Elle a le même prénom que vous. Oui. Oui, oui. Voilà. Oui. Je ne sais pas si je peux... Vous avez une autre question? Ben, je ne sais pas ce que vous pouvez me donner, comme ce qui va pour moi. Ce qui va pour vous, je peux vous donner vous m'avez dit que vous avez perdu votre mari. Vous pouvez me donner son prénom et l'année de décès. Je vais voir si je peux avoir un message. Alors, c'est Charlie, le 29 janvier 2015. En 2015, ok. Vous le sentez près de vous? Oui, ah oui, moi, il me semble de temps en temps de ça. Alors, Charlie. Alors, je tire une carte, chuchotée. Voilà, celle-ci, on la voit un peu mieux à l'écran. Alors, donc le titre chuchoté, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ce sont donc des bourdonnements qui révèlent ma présence auprès de toi.
J'essaye de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime de façon inconditionnelle. Donc encore, une très belle carte qui vient de votre mari. Il prenait fort soin de vous. Ah oui, déjà avant, hein, oui. Mais c'est ce qui est dit dans la carte, et moi je le ressens comme un ange gardien finalement. C'est vrai, il n'est plus là de sa présence, mais sa présence, je vais dire, de l'au-delà, il est là. Et là, il vous envoie des énergies positives et quelque part, il vous protège aussi. Donc tout ça est très positif. Oui. Et puis je pense Mais qu'il vous allez voudrait pas voir. que Et puis je pense qu'il voudrait pas que je reste toute seule. Non, 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 il veut que vous soyez heureuse et c'est pour ça qu'il est toujours finalement près de vous et qu'il vous envoie des énergies positives. Et c'est comme ça aussi que parfois, quand vous n'avez pas le moral, que vous pensez à lui, ça va mieux après parce qu'il est là et qu'il donne. Voilà, il donne des énergies positives pour que vous soyez mieux. Donc vous pouvez continuer à prier, continuer à croire qu'il est près de vous, parce que c'est bien réel, et tout se passera bien. Il faut Oui. rester, je sais, hein, c'est pas toujours évident, mais il faut rester positif. Ah Et de. oui. Ah oui, depuis le temps aussi avec elle, ben ça fait aussi Mais voilà, je sens qu'il y a quand même du positif en vous. Vous n'êtes pas une personne négative. Donc, vous ne pouvez que remonter la pente. Et ça, c'est rapide. Oui. En tout cas, Nino, moi je vous remercie pour vraiment toutes les Mais bonnes avec choses que vous plaisir. me dites. En tout cas, ça vient du cœur. C'est sûr. Merci. Et puis, moi je dis je vous aime bien parce que vous êtes vraiment un amour. Vous êtes. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Oui. Et puis moi, je vous souhaite aussi tout du bon, hein. Aussi puis prendre Merci. de bien soin de vous. Je vais essayer. Mais Voilà. oui. Alors, En tout cas, oui, tout de bon pour je vous vous. dirai que j'ai gagné le Oui. petit concours. Ah ben voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc c'est Oui, super. j'ai gagné le petit concours. Eh ben voilà, je suis très content pour vous et donc Mais oui, je vous remercie voilà, infiniment je vous dis à très pour votre vite. gentillesse, aussi pour votre Avec plaisir. gentillesse. Et puis, passez encore une bonne semaine, de prendre bien soin Merci. de vous. Et puis, Vous de j'espère même. autrement, on est bientôt fête, alors quand même, vous souhaitez déjà des bonnes fêtes. C'est gentil. C'est très gentil à vous. Vous de Mais même. oui, en tout cas, il y a toujours une prière pour Nino. Mais ça me fait plaisir, vraiment, hein. Ça me touche Mais beaucoup. oui, ouais. C'est pour ça que j'attendais que je puisse une fois vous parler comme ça. Avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez, vous refaites un SMS ou vous m'appelez sur le code 103, mais voilà, Mais oui. on peut rentrer en contact avec moi assez facilement. Voilà. Mais Ben, je oui. vous souhaite tout de bon et une très belle Oui. soirée. Et encore Merci merci pareillement, hein. d'avoir participé à l'émission. Et puis À je vous fais bientôt. plein de bisous qui viennent du cœur. Merci, c'est très gentil. Oui. Et puis que je pense bien à vous.
Ça me fait plaisir, vraiment. Donc je vous dis à bientôt alors, hein, et tout de bon pour vous. Belle soirée. Voilà, mais il y a des gens charmants quand même, hein, quand on fait des compliments comme ça, c'est ça va droit au cœur, hein. Bah oui, hein, je suis touché. Voilà. Alors, je rappelle, hein, pour arriver à l'antenne, hein, 0901 901 993, touche en numéro 1 pour arriver ici directement avec moi. On va marquer une courte page de publicité et donc composer le numéro et peut-être juste après la publicité, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, les amis, avec un plaisir immense, un peu moins de 3 quarts d'heure d'émission en direct. Donc, je vous invite à composer le 0901 901 993, touche numéro 1, pour arriver directement ici avec moi en studio. Si vous désirez consulter nos amis qui sont en bas de votre écran, vous appuyez sur le 2, suivi bien sûr de leur code PIN, et vous regardez qu'ils sont bien encadrés en vert et pas en orange. Sinon, vous attendez parce qu'ils sont occupés avec quelqu'un d'autre. Donc, vous attendez qu'ils reviennent en vert. Et si vous ne savez pas qui choisir, le petit ange gardien, c'est le chiffre 3. Et vous aurez une personne que vous n'avez certainement jamais eue. Et elle pourra vous guider donc sur votre chemin de vie. Ça, j'en suis certain. Et ce fameux concours SMS, d'ailleurs la personne précédente l'a dit qu'elle avait gagné le concours SMS, et comme je dis, ça n'arrive pas qu'aux autres, alors on le fait en même temps que, j'allais dire le prénom de la personne qui est en régie. Voilà. Non, on prend son portable, son attel, donc TVM3, voilà, qu'on envoie au 700, la petite flèche, c'est parti, c'est dans notre ordinateur ici, il faut vraiment quelques secondes, hein. Et donc vous pouvez encore bien sûr être tiré au sort aujourd'hui, et sinon les SMS sont pas perdus, donc demain, je ne sais pas qui est à l'antenne de mes collègues, et eh bien cette personne pourra, donc Cristal ou Bruno pourra voilà, répondre à votre question si le SMS, voilà, et vous l'avez bien envoyé, mais que vous n'avez pas eu de coup de fil. Et ce que je rappelle aussi, c'est que voilà, quand vous faites le concours SMS, on vous appelle si vous avez gagné. Et souvent, évidemment, vous n'avez pas le numéro enregistré dans votre téléphone, donc vous ne savez pas que c'est nous qui vous appelons. Et souvent, vous ne décrochez pas. Donc, c'est dommage, vous perdez cette chance que vous avez gagné le concours SMS. Donc, si vous participez au concours et qu'on vous appelle, de grâce, décrochez, comme ça, voilà, on peut vous mettre à l'antenne avec moi et je peux répondre à vos questions sans problème. Bon, la santé, le juridique, vous savez, hein, on met un petit bémol, mais pour le reste, voilà, on peut parler de tout. On a parlé des défunts, on a parlé des messages de ton âme, on a parlé de Saint-Georges, d'ailleurs, je vais et revenir sur Saint-Georges. J'avais terminé le petit sujet, mais il y a un kit de porte-clés qui apparaît sur votre écran. Donc, kit porte-clés et carte avec prière et médaille de Saint-Georges. C'est très, je trouve ça sympa d'avoir un porte-clés, on va dire entre guillemets, de protection.
parce que voilà, on prend la voiture tous les jours, on a les clés sur le porte-clés, donc voilà, ça nous porte bonheur, tant mieux. Et sinon, il y a aussi la petite médaille à mettre autour du cou, dans une poche. Vous n'êtes pas obligé de l'exposer. Donc tout ça, c'est au prix de 23 francs. Et vous pouvez donc le commander en allant sur www.parlezmoidavenir.shop ou sur le 021 694 2400 à partir de 9 h tous les jours. Pendant les heures de bureau, une personne spécialiste de notre shop donc pourra vous donner plus d'explications sur sur ce porte-clés et cette médaille de Saint-Georges si vous souhaitez plus d'informations. Et donc les frais de port par exemple, je rappelle aussi si on vous demande un numéro de carte bleue pour le paiement. Vous pouvez le donner, il n'y a aucun problème. Le site est 100% sécurisé. Voilà. Donc ça, c'était pour Saint-Georges. Et on va parler ici d'un petit rituel très simple pour avoir toujours de l'argent en abondance. Alors bien sûr, c'est une image, mais voilà, moi j'y crois parce que... On remarque quand même avec ce petit rituel qu'il y a certaines choses, voilà, un peu moins de factures ou on sait les payer plus facilement. Donc voilà, je vous inviterai à faire ce petit rituel, mais priorité bien sûr à vos appels. Et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, un peu Comment plaisir de allez-vous? vous entendre. Ça va bien, Mais moi merci. aussi. Alors, Je j'ai sais plus votre ce que je voulais dire. prénom. Dites-moi votre question. Savoir si je vais faire une rencontre. Alors, si vous allez faire une rencontre, ça n'a rien à voir avec les autres prénoms inscrits. Non. Je ne sais pas si elle a noté mon année de naissance. 5, 2, 3. Oui, j'ai toutes les informations, j'ai votre prénom, j'ai d'autres prénoms aussi, on regardera après. Hein. Ici, on regarde donc pour vos amours. Hein. D'accord. Alors, la dernière personne, ça s'est passé quand même avec des sacrifices. Ça vous a pas laissé un bon souvenir, votre dernière relation. Oh, il y a longtemps qu'il n'y a rien eu de vraiment sérieux. Alors, mais voilà, vous le dites vous-même et dans les cartes on le voit. Donc, après une période de temps, donc comme vous dites, il y a longtemps, on voit l'amour, on voit le cœur. Normalement, vous le voyez sur votre écran. Donc, comme la question c'est est-ce que je vais rencontrer l'amour? Pour moi, c'est oui, hein. Alors, Parce que j'ai rencontré une personne qui va me contacter la fin de la semaine pour, ouais, pour peut-être aller boire quelque chose ou que j'ai En tout croisé un cas, endroit où il y avait un peu de musique. oui, moi je vois en tous les cas qu'il y a, y a quelqu'un pour vous, mais c'est amical, on va dire. On commence par de l'amitié, on se trouve beaucoup de points communs, donc ça peut être la personne que vous avez rencontrée, parce que moi on parle d'un endroit festif, donc s'il y avait de la musique, forcément c'est festif. Donc vous avez des portes ouvertes, enfin il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes. Vous avez la fusion aussi qui est là. Donc premier une amitié et après donc la fusion est là pour dire que on se met en couple. Ah bon? Par rapport à cette personne? Je pense que oui, parce que
Ah n'êtes pas bon? quelqu'un qui sortait beaucoup. Donc, il suffit de sortir une seule fois, hein, quand le destin est là. Et pour moi, vous avez rencontré une personne, vous avez changé un numéro de téléphone, vous savez rentrer en contact avec lui? Oui, voilà, mais je l'avais pas rappelé, puis c'est lui qui m'a appelé pour me proposer de se voir dans une semaine. Écoutez, je peux pas jurer, mais en tous les cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez prendre du plaisir à parler et à échanger avec lui, parce que il a beaucoup de choses à raconter, mais ça se rejoint avec ce que vous vous racontez aussi, donc vraiment, je vois une belle alchimie entre vous. Ah, ben c'est sympa. C'est vrai que mon but au départ, c'est une amitié parce que j'ai besoin de temps pour être bien avec quelqu'un, quoi. Je comprends, mais c'est ce qui va arriver. Donc, Eh ben, dis donc. là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, je vois Eh d'autres ben, merci. prénoms, donc je suppose que vous avez d'autres questions. Oui, Dites-moi. c'est de 47 M. M de Il a, 47, oui. voilà, un peu les énergies, parce qu'il est assez souvent chez des médecins, puis savoir l'évolution un petit peu. Oui. Donc, sa santé, mais entre guillemets, on va regarder ses énergies, c'est ça. Oui, voilà. Alors, il a quand même du mal, hein. Il est suivi médicalement, tout ça, il n'y a pas de problème, mais il a du mal quand même à remonter la pente. Oui, c'est vrai. Alors, après, ben voilà, après quelques épreuves difficiles qu'il a traversées, moi je vois que il est en train de là maintenant, voilà, c'est ce que je voulais et elles sont tombées comme je voulais parce que je sentais ça comme ça. Ces énergies avec la belle lumière, avec le soleil dessus, donc Oh là là. ça ne peut que être positif. Je peux pas inventer les cartes, donc voilà. C'est pour ça que je les montre. Ah, ben Effectivement, c'est voilà, bien. si on parle un peu au passé, oui, c'était pas évident ce qu'il a eu, se remettre aussi de tout ça. Il a été en Voilà, oui. rémission, c'était pas évident, mais maintenant, voilà, pour moi. Il remonte la pente tout doucement, mais sûrement, et les choses se passent bien pour lui. Donc, pour moi, c'est très positif. Ah ben merci, ça va lui faire plaisir de l'apprendre, surtout pour ma sœur qui s'occupe de lui et puis que il faut de la patience et puis ouais, pas mal de travail quoi. Oui. Mais oui, vous pourrez lui dire que ses énergies remontent et qu'il va se sentir mieux. Ça, je suis certain. Ben d'accord, merci alors. Mais avec un grand plaisir, et je vous écoute toujours pour vos questions. Il y a une sœur qui est dans un MS et puis elle aimerait reconduire, reprendre un appartement et puis ça, c'est un petit peu des rêves d'après moi. Oui, ah, elle n'est De pas notée, 47. elle. Ah si, ah si, ah si, 47 excusez-moi, H. oui, je viens de voir. Alors. Donc elle est dans un EMS et elle veut reprendre une vie normale. Elle aurait envie, oui. Voilà. Et c'est elle qui peut décider, non, c'est le docteur. C'est plutôt le docteur, oui, parce que j'essaye de pas dire ses espoirs et puis c'est tout, mais
Effectivement, c'est les médecins qui prennent des décisions, mais elle a quand même un contrôle qui va être fait pour savoir, pour le permis de conduire, etc., ce qui pour la rassurer un peu. Parce que moi, je vois effectivement qu'on peut, le médecin peut regarder à certaines choses pour voir si elle serait apte. Mais pour moi, elle n'est plus apte à rester toute seule vraiment enfermée, quoi. Même si y a le corps médical des infirmières et tout ça qui vont la voir chez elle. Mais voilà. Le médecin va juger qu'elle aurait trop de difficultés à être seul. Donc c'est pour ça que je vois que oui, c'est des sacrifices pour elle parce que elle n'aime pas tellement là où elle est, mais non. Peut-être le docteur va lui dire on peut vous changer si c'est vraiment ça le problème, mais retourner chez elle, il ne lui dira pas non catégorique, mais voilà, il va faire traîner les choses pour ne pas lui faire de la peine. Mais moi, je la sens pas, et je pense que votre ressenti est le bon aussi. Je pense pas qu'elle retourne oui, chez elle la même... et qu'elle peut faire comme si de rien n'était. Non, non, non. C'est même pas qu'elle est très âgée, hein, mais voilà. Elle est arrivée à un stade où rester toute seule, c'est pas possible. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien, elle a de la peine à se déplacer, elle a un rollator, etc. Mais elle a eu un AVC, puis à présent, elle a. Bon, sa tête, ça va pas mal, elle sait à quoi elle en est, donc elle a envie de vivre, quoi, nouveau, mais c'est mais pas évident. Non, il faut être réaliste, quoi. Je la comprends, parce que si j'étais à sa place, certainement, je voudrais aussi garder une indépendance, mais voilà, à cause des choses de la vie, à cause de... Voilà, c'est comme ça. Et les examens vont être faits, hein. Le docteur va vraiment regarder si elle est apte, hein. Donc ça, c'est pas pour rigoler, mais il se rendra compte que non, elle n'est pas apte. Et si jamais, par exemple, je dis vraiment ça comme ça, hein, elle était chez elle toute seule, elle tombe, voilà, elle se casse quelque chose et ne sait pas oui, se diriger vers le téléphone. Ou, ah ben voilà. Parce que est-ce qu'elle ne sait pas se diriger vers le téléphone? Parfois, on a un petit bouton là, mais on peut l'oublier. Oui, voilà. Et donc, on peut avoir un petit bouton avec un collier. Je le sais parce que ma grand-mère en avait un. Mais et justement, le jour où elle devait appuyer dessus, elle l'avait laissé sur la table et elle était tombée. Donc voilà, bon, il n'y a pas eu de catastrophe, mais je veux dire, voilà, cet appareil, c'est très bien, mais il était sur la table et pas autour de son cou, donc voilà, elle est tombée, elle n'a jamais su se relever pour prendre ce petit bouton, quoi. Et voilà, avec votre sœur, j'ai l'impression que ce serait la même chose si elle tombe. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, elle est déjà tombée chez elle, même à l'EMS. Mmh. Donc, mais comment vous voyez l'évolution dans cette maison? Parce que c'est vrai, elle ne mange pas avec les personnes âgées qui sont là-bas. Elle mange dans sa chambre, elle s'enferme, elle n'a pas envie de sortir, mais... Elle sait quand même ce qu'elle veut, quoi. Ouais, ouais. Vous voyez, ouais, je sais pas comment ça va aller l'évolution. Moi, parce que... Bah, l'évolution, c'est qu'elle pourrait changer de MS vu qu'elle ne se plaît pas. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est une possibilité. Oui. À mon avis, ce sera l'année prochaine, hein, mais quand le docteur aura fait les examens nécessaires et qu'il aura les résultats,
mon avis, vous serez au courant aussi, hein, le docteur va vous en parler, mais voilà, il va vous dire que toute seule, c'est pas possible, et donc, comme apparemment, elle n'aime pas tellement là où elle est, elle peut peut-être trouver, l'aider, sûrement d'autres personnes aussi peuvent l'aider, hein, mais elle trouvera un autre MS et, où elle va se sentir bien. Et là, alors, elle ne voudra plus être vraiment renfermée toute seule. Ah, d'accord. Vous pensez effectivement que les choses pourraient se passer comme vous le dites, là? Oui, moi je ressens ça comme ça. Ah, ben c'est positif déjà. Pour elle, parce que, comme vous dites, hein, j'aimerais pas être à sa place, donc j'essaye de lui rendre visite quand je peux, puis de lui faire plaisir aussi à ma façon, même si on n'a pas les mêmes caractères, donc elle n'était pas toujours commode, mais ça fait rien, quoi. Mais vous avez deux signes assez forts, hein, quand même, hein, donc voilà. Il y a parfois le ton qui monte, mais sinon, moi, je vois rien de vraiment négatif. Hein. Oui. D'accord, merci. Mais avec grand plaisir. C'est mon fils. Votre fils, oui. C'est mon fils que j'ai pas tellement de... Il m'appelle pas souvent parce que, bon, je fais rien pour lui non plus. Puis il a ses obligations, voir un petit peu sa vie et comment ça se passe avec sa femme. C'est son travail, comme on dit ça. Sa femme est un peu spéciale. Hein. Moi, c'est bien possible. Que... Mais il se plaint pas, il m'en parle pas, donc. Non, moi, j'ai l'impression qu'entre eux, bon, bah, ça va pas, c'est moitié-moitié, quoi. Ils n'ont pas spécialement envie de l'exposer à tout le monde, donc oui. Ils ne parlent pas quelque part des petits soucis qu'ils peuvent avoir. Oui. Alors, oui, ils doutent beaucoup de lui sur son travail. Ah bon? Oui, il a des doutes sur le travail. Mais je vois. Il a pas mal de responsabilités à son travail. C'est peut-être pour ça qu'il est inquiet, mais je vois la carte de la paix pour lui. Donc c'est vrai que après des moments assez compliqués, on va dire au travail, et peut-être même avec sa femme, il retrouve quand même la paix. Donc c'est déjà ça. Ah. Oui. Mais je vois aussi, voilà, isolement, silence, parce que sur les problèmes qu'il peut avoir, comme j'ai dit, avec sa femme, avec le travail, avec ses enfants, avec peu importe, mais voilà, pour moi, il y a de l'isolement. Il ne dit rien, il s'isole quand il a un petit souci. Oui. Pense bien. Et il a la réussite, voilà, sur ses énergies, donc très très bonne carte aussi. Et j'ai un bon ressenti pour lui aussi que, voilà, pour moi l'année prochaine va être une année quand même différente et il va pouvoir remonter cette pente, parce qu'il est déjà à la moitié quand même, hein, il n'est pas au bas de l'échelle, mais il n'arrive plus à, on va dire, à monter pour arriver au-dessus de cette pente. Mais ça va jouer pour lui sur l'année prochaine. Ah, ben merci. Je suis contente pour lui parce que c'est vrai qu'il se confie pas à moi. Moi, je l'appelle pas plus qu'il faut parce qu'il a pas mal de soucis avec son travail, sa famille, son appartement, son chien, ses enfants. Oui, je comprends. C'est pas évident. Si vous avez une autre question, je vous écoute.
Ouais, vous parlez pas des personnes décédées, yo. Si vous voulez un message de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Vous me donnez son prénom et l'année de décès. Ouais. Je vais avoir quelque chose là. Comme moi, vous cherchez. Bon, mais c'est... oui, j'ai beaucoup de papiers. si vous voyez prénom, ici, il n'y a que des papiers partout. Mais oui, puis tous les jours, je dis, je vais classer comme il faut mes choses. Oui, il y a un prénom, c'est... Ouais, c'est pas une référence. J'ai un prénom. Je le fais jamais, c'est ça le problème. Mais moi, je renvoie tous les jours, puis je fais autre chose, puis voilà, ça traîne toujours. Mais moi, je range des papiers pour en sortir des autres, donc finalement, c'est ben comme voilà. S'il n'y avait rien qui avait été rangé. Voilà, dites-moi. Non, non, moi, je ne suis pas une référence, là. Il y a un moi prénom, Henri. Henri, de... voilà, c'est le prénom, décédé le 29 octobre 2019. 2019. En Belgique. En Belgique, c'est pas loin de chez moi, ça. Oui. Alors, c'était votre mari? Non, c'était un amant. Non, c'était une connaissance que j'avais connue en vacances, puis que j'ai pas revue, mais on a eu des courriers. Et vous êtes allé à Ciné? Pendant plusieurs années. C'est à côté de Namur, Ciné. Oui. C'est une jolie ville, hein. Vous êtes allé? Non. Ça, c'est... Je regrette à présent, parce que j'aurais dû... faire un effort et puis essayer de le rencontrer. Mais bon, il avait une vie privée, donc... Alors, on va voir le message qu'il donne, Henri. Alors, voilà, je tire une carte présence. Alors, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi et qu'il n'y a personne, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là aussi. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, votre... ami, on va dire, il est par la carte qui dit la présence, donc il est toujours présent près de vous. Et si voilà, vous avez besoin de choses, surtout des énergies positives, parce que les défunts, c'est ça qu'ils peuvent faire et ça nous aide. Donc vous l'avez à côté de vous. Et c'est vrai que vous devez parfois sentir sa présence. Oui. Parce que il le dit lui-même que il est derrière vous, il est à côté de vous, donc à un moment donné, sa présence, vous devez la sentir. Oui. Eh ben, c'est des belles paroles. Oui, c'est très positif. Non, c'est donc, vrai que c'était quelque chose de très, très important, mais ça n'a pas duré longtemps, c'était le temps des vacances. Oui, mais vous auriez dû venir à Ciné, ça vous aurait plu. Oui, je pense. Oui, je regrette à présent de ne pas avoir fait quelque chose. J'attends, puis après on regrette, on peut pas vivre avec des regrets, il faut agir au bon moment, quoi. Mm-hmm.
Et si vous avez encore une question, dites-moi. J'aurais une autre personne, ma maman, qui est décédée. Elle était du 3 avril 1923. Et puis elle est décédée en 2021. 2021. Bien vécu. Oui, elle avait 97 ans quand elle est décédée. C'est très bien. Alors, on va voir. Vous ne m'avez pas donné son prénom. Ida. D'accord. Alors, je tire une carte, nous revoir, que je montre à l'antenne. Alors, maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présente pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi tous les jours et sur la famille. Donc, encore une présence, on va dire, qui... mais là, c'est précisé qu'elle veille sur vous, mais aussi sur la famille. Donc, tout ça est très positif pour moi. Pour moi aussi, merci beaucoup. Avec c'est vrai le plus que ça grand me fait plaisir. Du bien d'entendre vos paroles là, qui me... Mais ça me fait plaisir, vraiment. Et si ça vous fait du bien, ça me fait encore plus plaisir. Donc, merci. Voilà. Ben, vous avez répondu à mes attentes, là. À vos questions, comme vous voulez. Voilà, si vous en avez une dernière... Oh non, je crois que j'ai déjà profité de vous, là. Oh, c'est pas grave. Moi, je suis là pour vous, hein. Donc voilà. Mais si vous n'avez plus de questions, alors je vous souhaite tout de bon et donnez-moi des bonnes nouvelles, soit sur le code 103 ou soit vous repassez à l'antenne. Volontiers, en tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai Avec pu passer plaisir. Au participer au concours, ça me c'était vraiment gentil de votre part, quoi. Mais voilà, le concours n'est pas fait, on croit toujours que c'est pour les autres, mais non. Le concours est là. Donc voilà, ce concours SMS, très simple, 1 franc, et voilà, vous êtes à l'antenne et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bon, évidemment, pas trop long, mais sinon, vous pouvez poser beaucoup de questions, voilà. Vous êtes généreux, vous avez pris votre temps pour moi, merci beaucoup, en tout cas. Mais c'est normal. Donc voilà, ouais. Je vous laisse ici et vous revenez quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Belle soirée à vous. Je vous Tout de bon pour beaucoup. Vous. Merci pour vous beaucoup. Aussi, merci Nino. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et oui, hein, bah oui, des compliments, bien sûr, les amis, que ça fait plaisir. Comme l'a dit cette dame, quand vous gagnez le concours SMS, bien sûr que je prends mon temps avec vous pour que ce soit un message des défunts, que voilà, ce soit une question avec une sœur, un frère. Voilà, je suis là pour répondre à toutes ces questions. Alors, ce rituel de la pièce de monnaie qu'il faut faire à la pleine lune. Alors, c'est un rituel de pleine lune pour l'abondance financière. Alors non,
Qu'on soit d'accord, cela ne veut pas dire que vous allez gagner au loto. Quoique, comme disait le grand philosophe Jean-Claude Duss, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Pourquoi pas ? Mais plus sérieusement, par ce rituel de la pièce de monnaie, on va travailler à poser son intention et la fameuse loi d'attraction. En fait, donc, il faut faire confiance à l'univers, à la magie donc, de la lune. Quelle jolie lune qu'on voit là sur l'écran. Elle sait plus que vous ce dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ce rituel ? Une petite pièce de monnaie, un bol, de l'eau et la pleine lune. Comment procéder ? Alors, mettre une pièce de monnaie dans un bol, remplir avec de l'eau, placer votre bol à la tombée de la nuit de façon à être exposé aux rayons de la lune. Posez votre intention, la ressentir, la vivre pleinement comme si elle était déjà réalisé. Le lendemain matin, récupérez votre bol et la pièce, servez-vous de l'eau pour arroser les plantes, rendre évidemment à la terre ce que la terre nous donne, conservez la pièce près de vous, dans votre porte-monnaie par exemple, mais ne la dépensez pas. Alors ce rituel est à faire chaque pleine lune avec la même pièce de monnaie, j'insiste. Et c'est bien dit qu'il n'y a pas besoin nécessairement que ce soit des pièces de 2 euros. Voilà, on peut prendre une pièce de 50 cents. Évidemment, sur la Suisse, je ne connais pas les petites pièces de monnaie. Je connais les euros, mais pas les petits francs. Mais voilà, un petit franc, un franc, bah oui, je pense, hein, un petit franc suisse. Ça peut le faire. Alors, il est important de récupérer votre bol avant qu'il ne soit exposé en direct aux rayons du soleil. Cela annulerait votre rituel d'abondance. Ressentez, posez votre intention et surtout ne perdez pas de vue que tout est énergie. L'argent est énergie, vous êtes énergie et le tout circule librement. Vous donnez, vous recevez et ainsi de suite. Donc, à ne pas, voilà, un rituel que, à ne pas oublier, à faire toutes les pleines lunes, c'est très simple. Si vous avez envie bien de réentendre ce rituel, soit vous pouvez m'appeler demain sur le code 103 à partir d'11h, 11h30 au matin. Et pendant la rediffusion de cette émission qui est en direct ce soir, mais qui est donc rediffusée demain sur TVM3 de 12h à 14h. Et vous me verrez parmi tous mes amis, tous mes collègues en bas de votre écran. Si je suis encadré en vert, vous faites le code 103 pour m'avoir. Et si je suis en orange, eh bien vous attendez que je repasse donc en vert et je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez envie de savoir quelque chose, donc par exemple sur le rituel, voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. On peut faire l'au-delà, les rêves. Enfin, aujourd'hui, on a fait pas mal de choses. Voilà. Juste un petit souci technique avec les oreillettes, mais aucun autre souci. C'était vraiment une belle émission. J'ai vraiment été heureux d'être avec vous. Alors, je vous dis à demain pour ceux qui souhaitent me joindre en privé. Et à très vite, dans quelques jours, je serai de nouveau en direct avec vous. Faites de doux rêves, tout de bon pour vous et plein de gros bisous. Mouah !